Si vous n'avez pas vu l'épisode 26, allez voir l'épisode 26, car c'est la suite en fait. Tu dis toujours ça, mais on sait bien que c'est la suite en fait, c'est une mini-série quoi. Ah bah t'es là même en voix off toi. Ok. Bon, là j'insiste en fait, car le sketch se poursuit vraiment d'un épisode à l'autre, mec. Dans le sketch avec le T-Rex là? Mais dis pas, putain! William et son équipe ont fait une découverte incroyable. Les travaux ont dû être interrompus le temps de sortir les fossiles. C'est incroyable. Un spécimen de Tyrannosaurus rex. Ouais. Ici. En Europe. Dans les Alpes françaises. La question est, y a-t-il un nouveau gisement à découvrir? Était-il seul? Il se déplaçait en troupeau? Pour en être sûr, il faudrait continuer à creuser tous les murs de la maison. Plage. Bon, c'est toujours le même topo en fait, hein. Elle paraît pas très chargée alors qu'elle est beaucoup, et comme il a plus dessus là, ça pèse mais 2 tonnes je pense, c'est moyen. Non mais amour, en fait aide-moi, tu me saoules. Je t'aime mon petit sucre. Voilà, on s'en est sorti avec cet énorme angle, je l'ai cassé dans tous les sens, mais même malgré ça il reste énorme, je pense que ça va être un peu compliqué à déplacer parce que... On voit ici la densité de béton qu'il y a hein, quand même, 15aine de centimètres. Je croyais que c'était du bois qu'il y avait, et en fait non c'était tout craquelé mais c'est du métal. Alors je sais pas si c'était une sorte de tyran, pareil il y a des morceaux un peu bizarres qui traînent partout. Voilà, en tout cas j'ai pas trouvé de reste de chaînage à travers le mur qui s'enfonçait, donc je pense pas que ce soit ça. Tant mieux, parce que ce serait inquiétant. Ok. Ce soir, c'est ambiance maçonnerie cuisine. Voilà. Ce mur, on s'est pas attaqué comme ça sans réfléchir. On a du coup fait appel à un bureau d'études structure et dont un ingénieur qui est d'ailleurs assez sympa puisqu'il a décidé de venir nous expliquer un petit peu le travail qu'il a fait là. Donc on va l'accueillir ensemble. Bonjour. Alors quels sont les conseils que vous nous avez donnés? Moi je vous ai conseillé de rien faire. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un peu délicat. En fait, on a la charpente juste au-dessus qui porte sur le mur. On a le petit bout de voûte derrière là qui appuie contre. Vous êtes complètement en train de fragiliser tout l'ensemble.
Ça devient peut-être un petit peu délicat quand même. Poursuivez. Va falloir se dépêcher de maçonner ça quand même pour pouvoir maintenir un petit peu ce qui est en place là, parce qu'il n'y a plus grand chose qui se tient les uns après les autres. Dans ce mur, il n'y a pas de chaînage, il n'y a aucune trace de rien. En fait, c'est juste un tas de pierres ambulants quoi. Il n'y a rien de pire pour qu'un mur s'effondre. Merci pour ces conseils. Je vais faire de la disqueuse. Je vais essayer de casser un petit bout de pierre au-dessus de la première marche qui nous gêne. Et j'ai essayé de protéger parce que ça va être la merde. Un mini camping-car réquisitionné pour les travaux. Ok, bon, c'est quand même une barre de 6 mètres de chaînage, donc il y a un petit peu de porte-à-faux. Ah, tiens, il y en a qui sont allés en sardine. Qui est rentré du travail avec la commande de carrelage, parce qu'en fait pendant qu'on fait notre coffrage d'escalier, on est aussi en train de réfléchir à notre future salle de bain. Et le travertin là, ça fait plus d'un an et demi qu'on l'a en fait, et ça c'est de ce soir du coup. Bon, on va voir ce que ça donne. Moi j'aime bien. Et toi t'aimes bien? C'est sûr qu'on est un peu sur la réserve. Attends, c'est la première fois qu'on nous voit hors tenue de chantier. On voit que t'es une nana importante. Fais une pause. Comme ça? Ouais, c'est comme ça. Si tu essayes de ne pas tout renverser. Putain, mais complètement. Mais on est mardi soir, il est quelle heure? Ah! C'est l'heure de Koh-Lanta, sucre. Pas blablater sur cette vidéo, simplement parce qu'on a passé la semaine à s'occuper de fabriquer les limons et les contre-marches pour le coffrage de l'escalier. C'était pas très intéressant, du coup, voilà. Ça, c'est Octave, c'est notre nouveau chat. Il est mignon comme tout, mais il est un peu chiant, parce qu'il prend beaucoup de place dans notre vie. Quoi d'autre? Oh, du chaton. Bon, du coup, ce week-end, au programme, finir de coffrer et surtout de couler les marches. Et si on y arrive, ce sera déjà bien. Parce que franchement, ça prend vachement de temps. Et en plus, tous les prochains week-ends, on sera pas trop dispo. Donc on va bosser que les soirs de la semaine. Cet escalier n'est pas terminé. Ok, bon, en tout cas, moi, j'ai fixé mes trois marches.
et deux extrémités plus une intermédiaire pour pouvoir écarrer un petit peu cet escalier, le mettre en position et ensuite on va voir ce que ça donne. Ce sucre, elle a mis ses fers en attente pour le futur treillis qu'elle a coupé en début de semaine là. Elle a fait du mortier à la main dans la brouette, sachant qu'il nous reste quasiment plus de chaud en fait, on est un peu merdé au niveau des courses. Je voudrais si on est bon pour faire du béton, sachant que là comme on va mettre un petit peu de métal dans cette partie là, le treillis là, j'ai découvert qu'en fait il fallait surtout pas faire un mortier de chaud avec des fers à béton, puisque là, ça fait une réaction chimique qui, d'après ce que j'ai compris, fait tout de suite rouiller le fer et ça adhère pas du tout et ça risque même de tout faire éclater quoi. Donc en gros ce serait contre-productif de faire un béton, enfin un mortier de chaud avec le treillis. Pourtant nous la chaux on aime bien parce qu'avec les pierres pour moi il n'y a pas, à questionner ça quoi. L'idée de mettre cette armature, ce treillis là, c'était vraiment d'ancrer l'escalier au mur, donc faire comme quelque chose d'assez rigide dessus et surtout que toutes les marches soient liées entre elles. Et là on se dit quand même que si l'ensemble s'auto-tient, c'est pas mal. Hyper cool, on a positionné approximativement le coffrage de l'escalier qui a terminé en place pour toutes les contre-marches et il est de niveau dans les deux sens et ça c'est magnifique. Ok, je suis hyper content. C'est celui qui a lissé toutes les marches. Putain, on a l'impression d'avoir un escalier, ce truc de ouf. Et là, du coup, notre maison, bah, c'est une catastrophe, quoi. Voilà le travail. Et alors, c'est confortable ou pas? L'emmarchement. Il manque 3 cm hein, du contre-marche, hein. Oh, de longueur encore, hein. C'est incroyable, ça se monte. Voilà, là j'ai l'impression d'être sur un vrai escalier. Alors, on a décoffré. C'est pas mal, moi je suis content, mais du coup il y a un petit taf en post-prod qui est finalement beaucoup plus conséquent que ce qu'on imaginait, ou du moins ce que j'imaginais. Ce que tu imaginais. Oui, ce que j'imaginais. Et bien, du coup c'est de refaire sortir les pierres pour enlever le surplus de maçonnerie. Voilà, tu recules pas trop. Hein. Mmh. Donc voilà, ici ça fait une sorte de gâteau au chocolat qui déborde quoi, et l'intérêt d'avoir les pierres qui ressortent, c'est du coup de creuser, de faire casser tout ça. Et après coup, on réenduira à la chaux
avec la tranche pour pouvoir uniformiser l'ensemble. Honnêtement, ça marche pas si mal et je suis très fier de la dernière marche. J'avais trouvé un peu des cailloux qui vont bien. Bon, en vidéo, ça rend pas grand chose, mais en vrai, c'est vraiment joli. Bon, elles ressortent pas si mal là, ces pierres. Franchement, je suis assez content. Les endroits là sur les côtés du coffrage où ça n'a pas été hyper bien rempli, on compte compléter le bord avec des pierres et puis de la chaux aussi. En fait, vraiment noyer l'ensemble coffré dans le reste du mur. Et puis après, bien sûr, remonter toute la façade encore. Bon, je suis assez content. Cet escalier est plutôt confortable pour l'emmarchement. Je voulais en parler maintenant, sauf qu'en fait, j'ai plus trop le temps parce que je voudrais finir ce montage pour demain, samedi 15 octobre, et je suis vraiment à la bourre. Au fait, on a passé les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, et même qu'on se rapproche des 12 000 là. Franchement, bon, dans le YouTube game, c'est pas beaucoup, mais pour moi qui suis un touriste de ce milieu-là, c'est énorme. Et franchement, ça fait plaisir. Du coup, merci de suivre l'aventure et d'être un peu plus nombreux chaque jour. C'est chouette, franchement, c'est encourageant, grave. Et même à travers vos petits messages et vos commentaires. En tout cas, tout ça, sans avoir dit une seule fois. Et abonnez-vous.